Ouverture lourde en émotions ce vendredi à Wall Street. Une minute de silence a été observée en présence d'Hillary Clinton et des autorités new-yorkaises, l'ancien maire Giuliani, l'actuel maire Bloomberg. Les marchés ont ouvert en baisse et en forte baisse. Le Dow Jones perd 1,7%, le Nasdaq recule de 1,2% et le S&P 500 perd 1,3%. Et selon les analystes, cette journée sera rouge simplement parce que les investisseurs jouent une fois de plus la carte de l'attentisme. Si le plan Obama pour soutenir l'emploi aux États-Unis est plus important que prévu, on l'attendait à hauteur de 300 milliards de dollars, et bien il est entre 440 et 450 milliards. Il n'est pas dit qu'il soit accepté par les républicains. Pas d'enthousiasme prématuré donc de ce côté. Et la prudence est également de mise alors que les ministres des Finances des pays du G7 se réunissent ce vendredi à Marseille. Le ralentissement de la croissance mondiale est au centre des discussions. Et les investisseurs craignent de nouvelles réformes du système bancaire. Les valeurs bancaires risquent d'ailleurs d'être sous pression aujourd'hui à New York dans le sillage des valeurs bancaires européennes. Le titre Bank of America perd en ce moment 1,5% et le titre JP Morgan recule de 2,3% une demi-heure après l'ouverture de Wall Street.